Mais Belkanovi qui se plaint de la taille du casque. Le cerveau est beaucoup trop gros. Ça se check. Et c'est parti. Ah, les joueurs n'ont pas d'écran. Ok, petit bug technique, mais c'est bon, les joueurs sont partis. Echo avec Aegis, Belkanovi avec son fameux Wii Fit Trainer. Alors, que se passe-t-il? C'est Echo qui a l'avantage, qui trouve le grab sur Belkanovi. On met la pression dans le corner. Voilà. Ah, très bien, très belle ride de Belkanovi sur le down tilt. Malheureusement, il n'arrive pas à contractiver et c'est... On se retrouve de off-stage de l'autre côté. Ouh, il y a vu le Tralby, on se mêle un peu avec le down tilt. Et... J'ai pas vu ce qui s'est passé, c'est peut-être un backer. Mais en tout cas, première stock prise par Belkanovi, Echo qui répond immédiatement en prenant la stock. Dead even pour les deux joueurs, FTFTFT. Dash attack, le hubby, ok. On met la pression encore. C'est Misra qui est très très fort pour garder le stage, on dirait. Ok, Nair, back. On fuse sur Misra et là, Belkanovi qui est pas bien. Misra, ça fait ultra mal. Kira, pardon. Ok, prends. Prends ma balle de volée. On stall off stage. On revient tranquillement. Oh, Echo qui prend la stock pratiquement tôt sur Belkanovi. Belkanovi sur sa dernière stock. Ok, F-Tilt. La tentative de donner, pourquoi pas. Et on va dash attack, upi. Dommage, Belkanovi qui a pas bien réagi, je pense que c'est punissable cette upi. Le donner. Oh. Et la hitbox qui a touché, mais jusqu'à la blast zone du bas. 1-0 pour Echo. Qui gagne avec deux stocks, mais c'était plus serré que ça en avait l'air. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kazuya, ok, très bien. Echo qui coupe leur pique en victoire avec Kazuya. Faisons ça. Et on retourne sur PS. On va voir quelle est la stratégie d'Echo, quel est le raisonnement derrière Kazuya. Ok, les crits qui touchent, la power stroke n'est pas touchée, qui n'est pas trouvée. Ok, pro repère. Belkanovi qui joue une petite stratégie 10 run. Ça a l'air très efficace pour l'instant sur Kazuya d'Echo. Ok, F-throw. On met la pression avec la balle. Électrique, backer. Et ouh, le laser. Oh là là, double laser, triple laser et le donner, ok. Et ok, c'était le suicide pour Echo, mais plutôt bien joué. Nice. Pas mal la conversion. Ok. Ah dommage, électrique qui est pas passé après le throw. Et Belkanovi qui Echo qui lui met tous les moves de la terre. FT. T'as tenté le reverse jab. Ok, la balle. La balle qui rebondit partout. Et le sniping. Belkanovi, dès que tu ne mets pas d'épée devant lui, il est on fire. Ok, nice. Jab combo. Des tricks qui passent en shield et Belkanovi qui s'enfuit. Mais ça a l'air, mais
ça a l'air impossible pour Echo de trouver la, l'ouverture sur le Wi-Fi trainer de Melkanobi. Ok. On esquive les lasers, on revient sur le stage tranquille. L'info et Echo qui arrive pas à convertir ses hits avec Kazuya, ce qui est quand même fort dommage étant donné que Kazuya c'est quand même le perso qui a besoin de convertir ses hits. C'est un peu tout le passé du perso, c'est je te touche, je te tue. Et Melkanobi qui là qui le touche. Ah ok. Ok, donc ce coup est un reflex, pourquoi pas. Je ne savais pas. La balle, on charge le B-neutral pour Melkanobi, le Ledge Trap qui fonctionne. Et ça fait un partout. Le coup de torpille d'Echo qui a pas l'air de trop fonctionner. Melkanobi en tout cas qui a l'air très à l'aise dans le match-up. Ok, on repart sur Aegis. Alors. Les joueurs qui sont. Qui s'échangent des politesses sur le counter pick. Et donc Melkanobi qui choisit Amphinobi. C'est la game où les gens counter pick en victoire. Et par contre, genre, pas le terrain, on reste sur Pokémon Stadium. C'est la zone de confort des joueurs. Et là, on voit clairement Echo, Melkanobi qui prend Greninja, mais Echo qui a vraiment beaucoup plus à l'aise avec Aegis. Up throw, upper kiwi, mais c'est pas grave. Ok. Donner upper. Ok. Et c'est le premier kill qui est trouvé par Echo. Qui est sorti vraiment définitif. Beaucoup plus fort avec ce perso et Melkanobi qui fait pas la surprise avec Greninja qui n'arrive pas à trouver les ouvertures, qui n'arrive pas à prendre le moindre genre d'avantage. Voilà, on va tout de suite retourner déjà sur Kira pour Echo pour tenter de trouver un killer lee et confirmer l'avance. Ok, donne système faire de Melkanobi. Est-ce que c'est la stock qui va se trouver? Ah là là, non, il se reprend une série de coups et il se retrouve à nouveau offstage. Ok, le fer qui touche, mais beaucoup trop loin de la zone opposée pour convertir ça en kill. Up throw, c'est pas assez pour tuer. Back air, assez, c'est vraiment difficile. Et il prend. C'était Down Smash ça. Down Smash qui tue. Et Echo qui confirme son avantage. Melkanobi qui a une stop plusieurs brackets là. Ok. Up throw, toujours pas le kill. Ah là, c'est vraiment terrible. Ok. Première fois qu'il est par Melkanobi. Là, il va falloir être carré et efficace. Et malheureusement, Melkanobi qui se fait air wobble par Echo de façon assez brutale. Ok, ça tente de. Oh là là, mais. C'est Melkanobi qui a l'avantage, qui essaye de charquer sur la plateforme, mais il se prend quand même les hits et le Hubby qui tue pas, mais qui fait très peur. Upper, et ça tue.
2-1 pour Echo. Très bien joué.